Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder le concours Kangourou 2017, sujet B, question numéro 17. Voici l'énoncé. La figure représente 3 carrés, un petit carré de côté 2 cm, un moyen de côté 4 cm et un grand de côté 6 cm. Un sommet du moyen se situe au centre du petit et un sommet du grand se situe au sommet du moyen. Quelle est l'aire de la figure délimitée par le trait épais? Réponse A, 36 cm². Réponse B, 43 cm². Réponse C, 48 cm². Réponse D, 51 cm². Réponse E, 56 cm². Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, ici, on a les mesures du carré, donc 2 cm, 4 cm et 6 cm. Ainsi, les sommets ici se situent au centre. Donc ici, ce sommet-là, il est au centre du petit. Et ce sommet-là, il est au centre du moyen. Or, le centre est à 2 cm ici, 2 cm du bord, 2 cm du bord, et ici 1 cm du bord. 1 cm du bord. Donc ici, ce carré-là aura pour R 1 cm², et ce carré-là aura pour R 4 cm². Sachant que l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré et l'aire du grand carré, ça va être notre aire grisée, mais il y a en trop les carrés en hachure. Donc ici, l'aire totale est égale à donc 2 fois 2, 4, plus 4 fois 4, 16, plus 6 fois 6, 36, moins 1, moins 4. Donc 4 moins 4 disparaît. 15 plus 36. On obtient donc 51 cm². Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.